Voyons ensemble comment personnaliser un jeu. Pour personnaliser un jeu, une fois connecté, cliquez sur le bouton Modifier, puis sur Personnaliser le jeu. Dans cet onglet, vous disposez de différents éléments. Il vous est précisé que vous ne pouvez pas changer le thème depuis cet onglet. Cela se fait depuis l'onglet Modifier le jeu. Vous pouvez personnaliser la police d'écriture. Pour chaque thème différent, trois polices d'écriture sont proposées. Vous voyez évidemment un aperçu de l'écriture. Différentes icônes de malus sont également proposées. Il vous suffit de sélectionner celui que vous souhaitez utiliser dans le cadre de votre jeu. La dénomination des codes est l'appellation qu'on va retrouver au niveau de l'application. On va vous demander par exemple de saisir un code, de saisir une incantation. L'icône des codes est aussi personnalisable. Vous pouvez choisir l'image de fond. 6 images sont proposées par thème. Cliquez simplement sur la checkbox au-dessus de l'image. Différents paramètres de jeu sont aussi personnalisables. Le temps déduit en minutes pour les malus. Alors attention, si vous utilisez ici la fonctionnalité compte à rebours minuteur, c'est du temps. Mais si vous utilisez des fonctionnalités comme barre de vie, ce sera des pourcentages de vie, ça sera indiqué ici. Les bonus, donc si la personne saisit un code bonus, ce temps sera ajouté en minutes. Et vous pouvez également déduire un temps pour chaque utilisation d'indice. Par défaut, ce temps est 0, vous pouvez le laisser à 0 pour désactiver cette fonction.